Gros décision prend bon côté CSPN, yon CSPN extraordinaire qui était organisé pour mander avec France LB s'il capable qu'elle fait, s'il pas capable qu'elle bail talon. Il faut que li passe l'ordre kay chaque agent policier pour yo forcer peuple là rentrer la caillou Jean ouvle là. Et policier sa yo, yo déjà passé à l'action, c'est pas des coups de balle réels qui pas voyé sous moun ka fait des choukay nan zone métropolitaine. M'bral bon tout détail sa yo et on l'autre bord. Oh, ça important fòm di li la oui. Mon cher, si et seulement si bagala rit comme ça, gen moun ki pral obligé bwè de l'eau sale. Parce que gen moun nan moment m'a parlé avec nous là qui a acheté un bon kit de l'eau qui prend 5 seaux. Comprenez bien ou ça m'a dit à là. Achetez-le pour 300 goudes. C'est pas fable. C'est bagay tout bon qui a passé actuellement là dans la zone métropolitaine. Comment nous y est? Est-ce que nous en forme? Est-ce que nous avons kembi? France LB, mouche à nous en position. Di pa kon si pou le moute, li pa kon si pou le descendre. Si vous voulez toujours chef dans le pays, eh bien CSPN n'a pas ce mouche à l'ordre. Dans le moment où je parle avec nous là, pour le dire chaque agent policier qui est dans la rue Port-au-Prince, pour dégager au cours de M. Jean-Jacques, pour forcer le peuple à manifester, à déchirer, à faire des choukailles, côté au jouen, côté au tombe, côté au pipitoa, pour forcer le peuple à rentrer la caille, le ou la façon. Qui donc, policiers utilisent balles réelles pour tirer sur les gens qui font des choukailles, sur les gens qui campent dans la rue, qui dit il faut que Ariel Henry baye talon. Il y a une scène qui passe sur route aéroport. Ce n'est pas un film, non? Ce n'est pas un montage, non? Ce n'est pas un feuilleton que artiste haïtien ou dans un cinéma a shooté, non? Son bagay tout bon qui passe dans le moment où le peuple a pris déchouqué, business en gros autobré. La police qui affecte dans le DCPJ paraît à un bon pick-up. Bal réel a tiré tribord et pas bon. Alors, c'est compliqué, oui? Nous avons une image. Bonne pète ou gade image là et moi-même par la suite. Map tourné pour les détails. Non, monsieur, on entend nous là. Pensez que ou est vidéo ou est comment la police rive sous population tapral fait tapir dans business en gros auto sous aéroport. La police dit pas gen bagay comme ça malgré gen moun ki te gen tan rentré a sorti avec caoutchouc a sorti avec batterie moun yo obligé lager la terre mettez van envoyé yo pour cartouche pas atteindre trip yo. Mais faut me dire que même pas comme ça li tapral joine avec 11 obo arrivé sous nazon bakop la. Nèg yo tap tiré à bout portant sous population an, te gen quelques individus non identifiés qui te caché koyo nan un coin qui t'a fait tokay coup de balle ensemble avec même ba comme ça qui affecté en dedans DCPJ. Moi gen image, bon pèt ou garder image si là pour une autre fois pour gen plus idée concernant ça qui a passé actuellement dans la rue Port-au-Prince. On a regardé.
ça me retire là. Il y en a pour comment mon téléphone là est là. Bah pour la repli à balou monsieur. Oh shit, ça bon. Mbasse nous tout bagay. Mba konne si pays a pral déboucher sur une guerre civile. Mba konne si gouvernement a déjà fait façon pour empêcher bagay sa fait. Mais pays yo pou yo, y a fait ça yo vle. Faut moi dire tout. Moun nan Saint-Marc levé campé. Ouais mouvement gen là, c'est dans tout racoin, c'est tout côté. Peuple a est-ce qu'on comprend? C'est tout endroit. Peuple a vivre et bien obligé levé campé, yo obligé rentrer dans même logique. De choukay. M'a regardé dans Saint-Marc. Population Saint-Marc là rentré en dans mairie même, yo déchouqué. Population en boulé en antenne de police. Nous même gagne assez nous. Nous même gagne antenne assez pour ta veiller pour nous non l'n'a dormi. Mais population en mettez difé là dedans, pas connait, mais action ça moi même qualifier comme une action individu mal intentionné. Nan portail gap en dans Saint-Marc, est-ce qu'on prend nan portail gap yo boulé sous commissariat portail gap là nan Saint-Marc. Yo boulé après te gagner mouvement levé campé, déchoukay a fait dans tout coin, la police campé en quoi pour dire il faut que bagay ça fini. Peuple la lui-même pour peuple la vinn dit la police campé en face yo nan moment et m'a dit nous Ariel Henry mouche ça mette avec depuis ses membres en dans gouvernement Yoshita Pali. Y a étudié meilleure façon pour yo wè comment peuple ça ka quitter la ria pour entrer la caille. Est-ce que c'est force pour yo exercer sou yo? Est-ce que c'est couvre-feu pour yo annoncer? Est-ce que son dialogue qui pou gagner? Est-ce que c'est racher pour le racher meilleur li baïté a? C'est question qu'a posé. L'autre bagay qui est important dans mouvement ça, m'a sollicité ensemble avec chaque grand monde qui levé campé en tant qu'un journaliste, en tant qu'un monde qui gon masse écoute, qui gon audience tête chargée, m'pensé n'a tandem nan façon ça. Nous levé campé pour mander respecter droit nous. Nous levé campé contre insécurité alimentaire, insécurité sous tout sens. Mais on d'accord avec nan moment côté toute zone barricadée, population a souffri. Même pin cherche yo pa ka joine pour ta manger avec salive. Par contre si nous clair non ça m'a dit nous là quand à bout de bien même yo pas gagné l'eau pour fonctionner l'eau boue yo pas gagné et dans jour qu'a venir là si toutefois moun qui dans la rue yo pas font lever mais pour dire camion de l'eau qu'a passé pour dire machine pain qu'a passé son boulanger qu'a fonctionné ou saisi ouais dans jour qu'a venir là moun yo pas obligé manger roche dans jour qu'a venir là l'eau sale pas obligé de l'eau propre pral obligé une meilleure option de l'eau couler dans rigol yo pour moun yo parer récipient yo pour yo prendre yo servi. Ça m'a dit vraiment grave mais son constat m'a tendé avec propre oreille moi ça son pléonas que me fait pour me renforcer mon ça m'a dit nous côté on dame a expliqué on bo ki de l'eau on bo ki de l'eau mes chers amis li acheter 300 gouttes. Nous connaît dans moment ça les pays lok les en haut pas monter en bas pas descendre ou joindre quelques moun qui d'accord fait marché noir gien que moun li au profit de yo parce que les ou gien bagala la kayo même si stock la poko fini le fait que gon carence le fait que gon manquement s'il te kon 25 goud la pou payer 25 goud et bien dame la souffri li même voye voto ya sou gouvernement en place là pour di dégager nous bay peuple la dlo pour yo servi et m'a dit tout m'a même lancé message là avec tout le monde pour question et machine ambulance yo. Nous connons ambulance yo dans la rue, a fait passage pour yo. Nous pas obligé barricader la rue tandis que on femme enceinte ni gon tranché, ambulance pas ka vinn joindre ni. Moi ce message ici là, il est vraiment important. Nous ka style toujours camper Jean Nouvelé, mais ba un petit passage pour citerne yo, pour machine camion de l'eau yo, ka joindre côté pour yo passer, pour y aller vendre de l'eau
dans quelques zones qui n'en nécessité. Parce que vous imaginez dans un moment une jeune femme pays donc ça prend ensemble avec règle et pas gain d'eau. Pardon, oui si quand ta ou ta gain qui est tourné. Mais ça m'a dit important oui. Vous imaginez dans un moment pays donc là prend un monde qui pas gain en rien la caille ou bien dans un moment il va toucher petit cobla là et puis pays a cadenasser dans mel. En tout cas, je pense que chaque grand monde qui a écouté là qui dans mouvement qui a plein contre la vie chère, qui a plein contre et gouvernance Ariel Henry a pas campé sur rien. Nous souhaitons que nous tendez message là et après ça pour peuple capable de joindre un soulagement. Attendez non. Depuis c'est en pile plage que shérif Abdallah gagne dans la caille dans Montri. Yo tout, on prend peuple passer dans tout oui. Peuple a rentré Albin al prend plaisir oui. Hein? Peuple a prend petit plaisir, on prend rentré caille, moucher matériaux, garder, yo modifier. Gen ket vite qui te mal rangé yo dim yo voye quelques croche pour faire boss retourner passer là dedans yo c'est parti de blonzaï qui gen actuellement là et pas seul Port-au-Prince non action ça au cap passer a yo passer dans tout racoin pays d'Haïti yo passer tout côté et m'dou ça déjà gen gros pression nan moment m'a parle avec nous cap fait sous dos Ariel Henry s'il voulait rester toujours en tant que DG la police là il faut qu'il passe l'autre avec agent policier yo pour yo tirer sous peuple là. Il faut qu'elle passe l'autre avec agent policier pour agent policier on prend une campé tof en mode kemakak ensemble avec peuple là pour forcer peuple à entrer la caillou et ceci est tellement vrai après tout temps que peuple a été fait déchouquer et ben jodi a même faut me dire c'est pas des arrestations que la police pas fait qui est sur arrêté comme ça déchouquer moun yo kembe en dedans business moun kap déchouquer kap voler affaire moun la police mette men nan pat kas avyo la police al avec yo mené yo nan commissariat pi près ki nou m'a mandé fè en pile prudence mes chers amis nous même qui dans l'aria ou même comment me comprendre que la vie a saboté ou c'est qu'on s'est choisi par ces frustrations et bien gagner mot d'ordre qui passé en pile nan nous capable victime nan jou kap vini yo la nan l'heure kap approcher yo parce que pas gen ou pas bois yo dit c'est celle façon ça yo capable forcer peuple là rentrer la caillou question n'a posé m'la pour demander est-ce que c'est guerre civile est-ce que c'est là par mes pour me répondre c'est information qui m'a ba nous j'ai regretté pour me ba nous information hein Jean Lia pour le gagner avant ça donc c'est ça nous va regarder à partir de thème ça qui c'est karma dans pile monde et c'est aussi à parler de karma soit fait c'est vrai qui ça André Michel t'a fait pour le mériter. Ça, je dis à côté, mais André Michel, pratiquement son monde qui va libre. Mais parlant de karma, si c'est le monde qui va payer ça, vous le faites, vous avez dit que André Michel pas seul monde qui a doué dans viseur et population, dans viseur peuple. Donc, on paquet monde dans plusieurs secteurs différents, que ce soit et secteur politique ou bien secteur privé des affaires. Là, on retourne avec Jules Valdé. Mais chaque loi nous tourne qui dit tout ça que monte doit descendre. Loi Kamiklan obéit à tout principe satou. Tout zèv, bon ou mauvais, a baillon l'autre comme résultat. C'est ça yorele dans langue blanc français, hein? Le principe de cause à effet. Kama, pas seulement dans le domaine et spiritualité, tant que si vous violez un principe ou à payer, avant tout, laissez une loi qui n'en a tia même. Ça aussi main, c'est lourd récolté. Ou planter vent, ou après récolter tempête. Kama a déterminé chaque action yon moun pose et puis li assire li tounel ba ou. C'est peut-être ça, plutôt yon moun agit dans tête posée ak nan bon sens. Loi Kamikla existe parce que c'est yon principe universel. Li la pour tout moun, quel que soit moun ou ye a, rang social ou, croyant, athée, religieux, politicien pour ne citer si la ou seulement. Kama agit même dans parole kap sot nan bouchon moun compte ou bien en faveur frè l'axel. Dans affaires politiques, nous malheureusement gen vie habitude ak lang nou qui se sal image adversaire nou. Dans pays d'Haïti, si nous prend comme exemple, violence lan tourne presque yon fait normal dans discours nou yo. Animosité ça souvent poussé fanatique malade yo agit contre intérêt pays a sans yo pas même comprendre. Mais politique là qui c'est en question intérêt pour un pile à bolotio ou bien activiste pas toujours été en ligne droite. Là-dedans, gain coupe, gain virement et même gain revirement. Dans dynamique politique ça, position à idéologie yo kon changé. Comme ça, ou ka wè ennemi yè yo vin kokote ak Figaro jodia. Après Jovenel Moïse te fin remporté présidentiel dans l'année 2017,
adversaire politique liyo la dan yo met André Michel tap multiplié parole piment bouc contre 58e président. C'était dans l'idée pour intimider et puis pousser le remettre pouvoir parce que opposition était déjà acquise comme quoi il était gain droit de tremper 17 longues dans un scandale corruption. Bataille ça t'a pral dire jusqu'à ce que mes sénateurs étrangers entrent la Kaili et puis éteignent souffli dans la nuit 7 juillet 2021. Met André Michel, yon nan picoria sa adversaire politique pouvoir PHTK, pas de jamais faire économie sous parole kap sot nan bouche li contre président qui était là dans l'époque là. Met André Michel était souvent qu'on invité population pour voir pied contre n'importe décision gouvernement te kon pran, tant qu'ou décision pour monter gaz, li te même qu'on demandé jeunesse là pour faire des obéissances civiles, bouler caoutchouc, couper route, camper des barricades li. Je dis à ces revers médailles là. Ou bien ça nous te carré les kama nan politique là. Si ayer met André Michel c'était avocat peuple là, je dis assemblée c'est une autre réalité puisque moun li te kon di l'ap défann yo tourner bête noire pour lui. Discours violent yo qui te kon mande peuple là pour arrêter et puis souffler tes président semblait virer dans l'autre bord. Met André Michel pour kounya k'ap défann pouvoir, peut-être gagne l'idée de ça yon moun ka senti laisser li men ki gen commande pays anamel. En tout cas Loa Kama a existé, même dans la politique. Après des blousers, nous finons qui fait kay ancien avocat Pepla. Jos Varin, Caraïbe FM. Voilà, merci collaborateur non Jos Varin qui t'a présenté nos papiers ça. Information après à poursuivre. Mobilisation contre gouvernement Ariel Henry a changé phase dans Gonaïve. Journée jeudi 15 septembre, manifestants ont été pillés pour bureau programme alimentaire mondial PAM avec bureau Caritas. Malgré intervention la police, manifestants ont botté tout ça yo joindre dans espace ça yo, tant que produits alimentaires, matériel bureau pour ne citer ça seulement. Yo annoncé à continuer l'opération jusqu'à ce que PM Ariel Henry démissionne dans tête primatia en suivant un dossier avec Jody Vengil. Manifestation, pillage et déchoukaï, c'est ça qui marque la 4e journée de mobilisation dans Gonaïve, jeudi 15 septembre. Une ville complètement loc, toute activité paralysée. Bureau privé et coup public fermé portio. Population occupée la rue, environ 10h du matin, foule la témasse devant local Caritas là, avant même y été envahi espace là. Un véritable scène pillage en bas j'ai un puissant police nationale là. Jeune moun, grand moun takou ti moun participé dans opération déchoukaï ça qui t'a duré plus passé 3 heures de temps. Population porté aller toute ça rejoindre dans espace là. Pas même chien, y été joindre sous la cour. Nous pas passer par devant. Non. Police sur devant. Yon titan après, foule la te prend direction Kafou Bassin. Bureau programme alimentaire mondial PAM connaît même soit bureau Caritas la dans Gonaïve. Du riz, pois, l'huile pour ne citer ça seulement. Manifestants yo boté tout ça rejoindre dans espace là. Malgré résistance sur l'audio qui était sous place. Manifestants ont annoncé mobilisation après à poursuivre jusqu'à ce que Ariel Henry baite pied dans tête primature. Puisque selon protestataires, chef gouvernement pas jamais prend aucune décision pour améliorer misère population. C'est plus grand goût, la vie chère, chômage et insécurité. Yo ba rendez-vous sous béton pour continuer à manifester jusqu'à ce que revendication yo satisfait. Jules Evans, Jules, Caraïbe FM.
Voilà, mobilisation yo capera poursuivre à travers le pays suite à décision au gouvernement pour augmenter prix gaz là. Oui, qui vient de mettre gaz dans moteur, mobilisation contre Ariel Henry, plusieurs business qui dépôt manger pillé, activité yo bloquée depuis environ une semaine. Une situation qui a conséquence sur l'économie pays à gagner. Oui, et pour ça, nous allons parler avec économiste Enomi Germain pour essayer d'analyser avec nos décisions gouvernement prend pour en tout cas camper sur subvention l'état et qu'on baille pour affaires gazlan. Et nous Germain, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Lydie, bonjour Pierre Wenel, bonjour Johnny, bonjour tout le monde. Mm-hmm. En aller qui sa subvention gazlan représente, est-ce que l'état est capable de continuer Kembel? Bon, écoutez, pour nous parler de subvention, j'aime faire sur page Facebook moi à travers un rubrique que moi l'écolo plus. Et pour comprendre une question subvention en guerrier, rapidement, faut qu'on va dire font un step back à mars 2010. En mars 2010, après le tremblement de terre là, et l'administration qui est dirigée par M. René Garcia Préval a pris une décision pour ne pas augmenter le prix gaz là sur le marché local là, en dépit du fait que guerrier était une tendance à l'augmentation des prix sur le marché international. Mais si le prix sur le marché international a augmenté alors qu'il aurait été invariable en Haïti, il faut un acteur qui paye le prix. Eh bien, acteur ça justement, c'est l'État. Ça le paye pour ces subventions. Mais quand nous disons subventions rapidement, et c'est vrai, il y a une différence entre l'État payé pour accueillir les financements, mais subvention est un deuxième bagage là-dedans. C'est que quand le produit pétrolier est importé, il y a un ensemble de droits pour importateur à payer sous lui avec un ensemble de taxes. En général, l'État a renoncé à droits et taxes. Donc, il y a parlé de subvention, ça c'est clair. Il y a deux bagages là-dedans, il y a deux composantes. C'est d'abord les droits et les taxes, et deuxièmement, la différence entre l'État payé pour à la pompe, ça et les financements. Maintenant, nous avons dit ça. Nous avons dit qu'en mars 2010, décision en prend, mais quand on arrivait en septembre 2010, c'est-à-dire en fin d'exercice fiscal, là, montant subvention à l'époque est déjà élevé pour gagner un État. Vous m'a dit que ça le représentait. Eh bien, c'était donc environ 1 milliard de gouttes à l'époque. Mais maintenant, sauf en mars 2010, par exemple, c'est en 10 septembre 2021, pour une sa subvention a été représentée 143 milliards de gouttes au total. Donc, de mars 2010 à septembre 2021, subvention, hein, c'est 143 milliards de gouttes. Mais si vous voulez, je vous dis, il n'y a pas de problème, non? Puisque l'information, qui n'est pas forcément publique, dit que le montant de subvention, c'est déjà 44 milliards de gouttes. T'as qu'à prendre 44 milliards plus 143 milliards de gouttes. C'est-à-dire, subvention, hein, il faisait l'eau sur ce trésor-là. Mais pour comprendre, on t'a qu'à dire, on prend exemple 2021. En 2021, l'État s'est prévu à subventionner les produits pétroliers à hauteur de 20 milliards de gouttes. À la fin de la journée, à la fin de l'année, subvention c'était 30 milliards de gouttes. Donc l'État avait un manque à gagner de 10 milliards de gouttes. Deuxième exemple pour problème, en 2022, là, dans le budget 2021-2022, subvention produits pétroliers avec subvention IDH, c'est troisième poids qui est lourd dans le budget national. Là. Mes premiers poids qui s'allient. Ce n'est pas on défense l'État à faire, non, c'est ça relie la dette publique. C'est-à-dire, comme l'État a doué, c'est pour ce qui est important. Deuxième poste là, c'est l'éducation nationale, sûrement, puisque c'est de tous côtés. Troisième poste là, c'est ça relie la subvention. Donc, vous avez trois postes là, côté que l'intervention de l'État pratiquement pratiquement limité. Mais l'État relie en moins ridicule, pas qu'à continuer qu'il y ait des subventions. Ça. Parce que premier acteur, mon deuxième acteur qui est important, c'est le Fonds monétaire international, le FMI. FMI a mis pression sur l'État. Le 2 juillet 2022, il a signé un accord avec l'État qui est le Staff Monitoring Program. Dans le Staff Monitoring Program, il a demandé à l'État, pas même diminuer les subventions, non. Il a dit l'État retirer ces subventions, ça net, pour que finalement mette en place un ensemble de programmes sociaux. Donc l'État a dit pas capable. FMI a pratiquement, entre guillemets, injonction pour l'État qui a fait son subvention, ça nous a donné un bon. Et troisièmement, il y a une population, son troisième acteur, qui dit que il n'y a pas de question de retirer subvention, puisque nous allons voir ça tout à l'heure, il n'y a pas de confiance. Donc, mes situations, ça, écoutez, ce n'est pas la position que j'ai trouvée, ce sont donc les faits. C'est que, un, il n'y a pas de doute, objectivement, subvention, elle pesait lourd sur le trésor public là, c'est un.
Deuxièmement, le Fonds monétaire international pour des questions de finances internationales, pour des questions de finances internes, ou bien tout pour des questions idéologiques, puisque c'est un capteur de mal qu'on est le Fonds monétaire international, c'est le libéralisme économique que pendant l'État a fait ça, ou le subside budgétaire. Donc, l'autre tout élément, ça y est, mais c'est yon constitué faire. Maintenant, après les faits, sous subvention, t'as qu'à garder les décisions, pour qu'à bien situer question. Décision, c'est que le 10 décembre 2021, le gouvernement ça, ou bien administration ça, ont décision d'augmenter le prix du pétrole sur le marché, augmenter le prix. Et c'était donc à l'époque des augmentations substantielles. Par exemple, sur le gaz de kérosène, c'est vrai à l'époque. Gasoline, augmentation, c'était 24%. Kérosène, c'était quand même 115%, alors que diesel, c'était 108% augmentation. Mais maintenant, qui promesse qui était faite? C'est là où on va prendre une question. Promesse, ça, c'est que, à l'époque, c'était le ministre de planification, là, qui s'est GA, qui n'est pas bien rien à même du tout, qui paraît devant la presse, qui dit que. Il faut nous retirer subvention parce que l'État va construire l'école, l'État va mettre en place programmes sociaux, lits, etc., etc. Il va faire ensemble de bagages. Mais attention, on a parlé de décembre. Sauti décembre, arrivé septembre, tout ça y est là, pas bien absolument qu'un monde de résultat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résultat. Mais qu'est-ce pas de résultat? Les changements dans la population. Qui changement? C'est que la vie a venu plus chère. L'inflation, par exemple, passée de 24,7% en décembre 2021 à 30,5% aujourd'hui, c'est-à-dire plus que 5,4%. Deuxièmement, sous la chiffre, insécurité alimentaire, c'est-à-dire la vie est plus difficile, on n'a pas qu'à manger. Et il y a environ 4,4 millions de monde en situation d'insécurité alimentaire sur la chiffre, je dis à ces 4,6 millions de monde. C'est-à-dire, il était dit à mettre en place un ensemble de programmes sociaux, 10 mois après, la situation est plus difficile. Pas même besoin d'aucun, il y a la pauvreté qui prend de plus en plus de proportions à l'intérieur de la population. Mais 10 mois après ça, gouvernement prend d'autres décisions. Mais décisions, ça vous en est dit, très substantielles en matière d'augmentation. Gasoline, augmentation de 128% des prix. Diesel, augmentation de 90% des prix. Kérosène, 89% des prix. Et bien donc, voilà, sous les situations, ça, plus évidemment, manque d'action du gouvernement, plus frustration de la population par rapport à d'autres problèmes socio-économiques, qui baille, ça nous gagne pratiquement dans la rue. Là, je vais te poser une question sur l'appréciation critique ou bien personnellement. Il y a une appréciation personnelle, justement, et économiste Enomi Germain, ou présenté plusieurs cas de figure par rapport à débat qu'a fait sous question Gazlan, ou même en tant qu'économiste, qui ça, ou est ta meilleure décision campée sous subvention, qu'a bas augmentation, effectivement, à prix Gazlan dans Pompio, ou bien qui ça pour ta fête? Appréciation personnelle responsable, c'est que depuis 2020, Enomi Germain a dit que. Écoutez, il faut trouver un moyen pour que l'État accentue sur la question de subvention. Attention, j'ai toujours dit que j'étais toujours contre la question des subventions des produits pétroliers. Mais attention, c'est pas comme ça. Contre dans des conditions, c'est-à-dire comment l'État a retiré la question de subvention. J'ai toujours dit que lever subvention était nécessaire, mais en général, c'était toujours inopportun, c'est-à-dire si condition ou pas de revenu. Première condition, c'est que quand on va retirer subvention, gain ou ensemble de signaux qu'un gouvernement doit envoyer, c'est-à-dire des signaux que la prend, des dispositions, notamment à travers, si vous voulez, un ensemble de programmes sociaux pour que, justement, les populations, si vous retirez subvention, l'argent, ça, c'est pour tout libérer. Mais le problème, c'est que l'État, basé structurellement, a échoué, mais sous un gouvernement, ça, de manière particulière, le gouvernement, ça, a échoué. Nous ne parlons là de 10 ans, là, je dis, il n'y a pas fait absolument rien, alors que, justement, le territoire a parti de subvention. Donc, l'État a perdu crédibilité dans le processus-là. Donc, la confiance a été minée. Donc, premier problème, non, c'est que, nous avons un problème de crédibilité de la part de l'État. Ça, c'est un. C'est que je dis à pour moi-même, même si, écoutez, la décision pour moi-même, c'est pas qu'un bon décision, donc l'on considère les paramètres, ça m'a pas avancé là, écoutez, moi, je pensais que c'est pas le bon moment pour que l'État fasse. Donc, premier élément. Deuxième élément, c'est que de manière plus structurelle, et qui lie à premier élément, on rend compte que gagner et soulever la manifestation d'une déconnexion entre les problèmes de l'État et les problèmes du citoyen. État, le citoyen, ouais. Comme l'État, son l'État inefficace. Si comme l'État, c'est pas pour l'État qui agit généralement dans l'intérêt de la population, du moins c'est la perception, et bien la population justement, il dit, même si subventions sont poids lourds pour le trésor public, ça ne me regarde pas. Donc le problème de l'État,
c'est le problème de l'État, c'est pas mon problème. Donc ça, c'est un danger social, oui, côté que vous déconnexion entre les difficultés de l'État et les difficultés du citoyen. Donc parce que justement, encore une fois, la confiance a été minée. Troisième élément qui fait décision aujourd'hui à poser problème, c'est le contexte de la vie chère de manière générale et sous le contexte de réouverture des classes. Côté que, évidemment, les dépenses des ménages ont tendance à augmenter. Pendant les dépenses ménages, la tendance à augmenter dans un rythme qui est bien important. C'est ça le qu'on vient de rester à et mais voilà que l'État, justement, les besoins pratiquement fait que les pensions augmenter davantage. Pour moi-même, son troisième problème, soulevé qui t'a choqué, en tout cas, qui est justement et forme une position défavorable par rapport à cette position gouvernementale. Et sous même blé, même, mon quatrième élément, c'est que, écoutez, population a dit que l'État a besoin de subventions qui profitable à moi-même, parce que, on est d'accord, tout, c'est pas la population uniquement, et surtout, non, que question de subventions profiter. Parce que, écoutez, Donéola qui dit que, écoutez, les gros consommateurs, ce ne sont pas forcément les membres de la population. Mais la population a dit que, il y a d'autres sources à travers lesquelles l'État a appuyé. Par exemple, sous ce que nous connaissons déjà dans la douane, on allait dans la question de contrebande. Contrebande, c'est environ 60 milliards de gourdes. Chaque année, l'État verse à travers la contrebande. Ça fait un. Les franchises douanières, ce qu'a donné dernière année. 60 milliards de gourdes, c'est environ 600 millions de dollars américains. Semaine dernière, vous avez mis une centaine. Encore. Et ces chiffres-là sont connus, c'est connaissance commune. Et nous, j'aime bien essayer de faire une comparaison. Donc, l'État, là, il a campé subvention parce qu'il dit que il n'est pas rentré environ 40 milliards de gouttes, c'est ça? Alors, 9 milliards. Subvention à 9 milliards. 22, c'est autour de 44 milliards de gouttes. 8-9 milliards, c'est par mois, un moyen. Ok, ok. Mm-hmm. Alors, que si il y a des dispositions que tu prends pour combattre la contrebande, il t'a qu'à permettre l'État de rentrer 60 milliards de gouttes, c'est ça? 60 milliards de gouttes par an. Mm-hmm. Oui, donc l'État a l'en facilité, a l'en sac plus facile. Là. Voilà, donc les décisions sont faciles. Et deuxièmement, Fabien, non, la contrebande pas y profiter en réalité en catégorie de monde. Mais qui m'en dirait, c'est connu. C'est d'abord des acteurs du secteur privé et ensuite des politiques. Parce que comme Fabien, depuis pratiquement 10 ans, ou ensemble de politiques, tout qui a rien à faire combien. Et c'est la loi qui nous passe. C'est-à-dire que ce n'est pas contre le bandit au fait commerce. Donc, comme l'État pratiquement comprend que l'enjeu est grand par rapport à ces acteurs, l'État allait dans la facilité. Là, je parle de contrebande, mais on a l'autre élément. Tout à parler des franchises douanières. C'est pas énorme, Germain, depuis pratiquement 2021, a dit qu'il faut qu'il y ait une évaluation de l'utilité d'un ensemble de franchises qui baillent l'économie. Hein. Bon ensemble d'acteurs qui des franchises, acteurs ça eux, la loi pas permettre des franchises. Et deuxièmement, ils n'ont pas utilisé des franchises, si vous voulez, dans la ligne qui a été tracée. Je vous dis, alors, on est même Javel. Par exemple, nous n'avons pas cette mission diplomatique ou des franchises. Mais qui est cette mission diplomatique là? Ce sont ensemble de commerçants qui sont des consuls honoraires pour des pays. C'est des commerçants, eux. Donc, ils ont importé sur franchise douanière, alors qu'ils ont importé pour y aller vendre. Donc, tout le monde donne ça. C'est pas une vision, mais capitaine. Donc, ça veut dire qu'il faut une évaluation des franchises douanières. Mais attention, l'année dernière, par exemple, c'est 21 milliards de gouttes de franchises douanières pour contre écouter. Dès que franchise douanière qui l'État a accordé. Et je dis, écoutez, nous comptons tout scandale, tout fait, et par rapport à l'histoire, par rapport aux questions des franchises. Donc, on est d'accord. Papa le dit, et donc, jamais Papa le dit de manière démagogique qu'il faut totalement annuler les franchises. Non, mais au moins, il faut une évaluation de l'utilité des franchises. Et après l'évaluation, justement, il faut prendre un ensemble de décisions. Il y a peut-être l'autre sous son corps. Il n'y a pas même parlé de sous-facturation qui existait la douane. Des trois semaines, moi, regardez un ensemble de données qui existait, moi, regardez un ensemble de données et la douane. Évidemment, pour moi, d'autres là, la douane, dans un résultat, en tout cas, qui est supérieur par rapport à tout ce que la douane dépend de faire. Mais décision, ça prend la douane. Écoutez, il faut encourager la douane à entrer pratiquement 8 milliards de gouttes pour août 2022. Mais la douane, pratiquement, ça va facilement multiplier comme ça par 1,5. C'est-à-dire, la douane, facilement, ça va entrer pour moi-même autour de 12 milliards de gouttes. Mais pour que ça va entrer, c'est sous facturation. Et il est vrai que décision pour faire la douane passer d'environ 4, 5 milliards à 8 milliards, là, il va prendre tout simplement l'importateur, non? Si on vit en 4 importateurs de décision pratiquement pour rien, ça veut dire que si vous regardez ça qui vient dans le pays, alors la douane seulement pratiquement, ça a fourni par année, si vous voulez, un montant qui est extrêmement important, qui a aidé les finances publiques dans une situation de santé meilleure. Et dernier élément, vous me dites de poser des questions, tout le monde dit ça, il y a les évasions fiscales. Bon, écoutez, c'est un pays côté que, bon, acceptation collective de la corruption, comme d'habiller ça, parce que c'est un pays côté que.
ou pas faire déclaration définitive d'impôt, l'on va le premier ministre, soit le même jour, fait, tout le monde connaît, écoutez, ça ne dérange absolument personne. Donc, c'est l'acceptation de la corruption. Mais écoutez, tout le monde là, ou pas tout le monde là, par exemple, mon va payer les taxes, il va faire rien, évasion fiscale, etc., etc. Mais il faut aller dans ces sources, pratiquement. Il faut qu'on aille dans ces sources, pratiquement. Donc, tout ça, je vous l'ai dit là, je vous l'ai dit que, il y a des alternatives, même si la population croit, il y a des alternatives que l'État a actionnées pour que justement les sortir d'une situation de santé financière fragile, pratiquement. Donc, parmi les positions, la position c'est que, écoutez, la décision n'a pas fait sens, le citoyen peut être responsable, même si je me dis, pour les finances publiques, écoutez, subventions sont un poids trop lourd, mais en même temps, il faut trouver le bon moment et parallèlement, il faut essayer d'actionner d'autres sources de revenus que l'État a profité de eux. Mais malheureusement, en finance sociale, c'est à des mondes qui sont très justement bien placés dans la société, c'est-à-dire des privilégiés. Et l'État a dit que la solution est plus difficile étant donné les enjeux. Donc, il est plus facile de rester au niveau du ministère des Affaires sociales ou d'autres ministères, de prendre une décision et de dire qu'on ajuste ou qu'on augmente les prix des produits pétroliers sur le marché. Là où essayer de citer plusieurs sources qui permettent que l'État rentre l'argent. Même Jean, professeur Ricardo Toussaint, il partageait avec nous parce que même source de revenus, ça au palais là. Et lui-même, il allait plus loin pour le parler de combattre corruption, réduire le train de vie l'État. Et nous-mêmes, nous avons plus loin tout pour nous dire que une équipe service que les citoyens ont besoin qui n'est pas disponible. Ouais, pour qui ça pas gagner par exemple au AVCT pour pas capable de tourner en véritable bail assurance vraiment DGI côté gon paquet racketeur c'est yo qui fait l'agent là aller donc on pas jouer de service en tout cas toute institution l'État yo pas bail service pendant que citoyen eux même c'est quand citoyen va chercher service et vous pas joindre. Écoute, oui, bon, on se parlait de corruption, mais tout ça nous a dit là tout à l'heure, contrebande de la corruption, etc., etc. Donc pour corruption, pas de problème. Évidemment, bon, l'autre problème qui sont source de revenus pour moi-même, ça, on manque d'efficacité des actions de l'État. Et ça, on va poser là, oui. On va poser problème d'efficacité des actions de l'État. Je ne vais jamais rater l'occasion de me faire ça. Il y a la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui, pratiquement, chaque année, font un rapport sur l'efficacité des dépenses publiques en Haïti. Guerrier. Regardez pendant 5 dernières années, ok, je me prends le temps pour me regarder. Écoutez, globalement, l'État totalement inefficace, pratiquement, dans le et ensemble d'actions. Mais ça, c'est la Cour des comptes qui montre nous ça, mais dans la réalité, oui, ces citoyens ont besoin de services, évidemment. Et bien, qu'est-ce que ça nous dit en d'autres termes là? C'est qu'ils ne vont pas être problème de mauvaise gestion. Et problème de mauvaise gestion, c'est citoyen perdu confiance. Citoyen dit que l'argent qu'a pris, eux, je ne vais pas mettre au service de moi-même. S'il ne pas mettre au service de citoyens, son problème d'efficacité. Parce que pas oublier, toute politique, qui finalité toute politique économique, sociale, etc. Qui finalité politique yo? C'est amélioration condition la vie citoyen. Mais pour l'améliorer, il faut l'efficace, il faut le bail service à la population. Donc, gros problème de service dans la société. Et c'est pour ça, citoyen pas fait l'État à confiance du tout. Et c'est pour ça qu'à l'heure, le problème de l'État n'est pas le problème du citoyen, parce que le citoyen connaît de toute façon que n'y pas besoin de service. Comme il n'y pas besoin de service, il préférait qu'il y ait subvention. Plutôt, il attend, plutôt, il d'accord promesse de la part de l'État. Parce que subvention en amène, c'est un tien qui vaut mieux que 1000 tu l'auras pratiquement. C'est ça la situation. Évidemment, on se parlait de ou ensemble d'autres leviers sur lesquels l'État a agi, comme et OAGCT. Etc. Mais également, regardez, on prend des données, on vit dans l'actualité. Mais la sécurité, c'est une source de revenus. La sécurité, c'est une source de revenus pour l'État. Mais c'est ça. Quand le pays a une sécurité, l'économie ne fonctionne pas en plein rendement. La machine économique n'est pas roulée, soulevée normalement. Quand elle n'est pas roulée normalement, les entreprises sont limitées. Quand l'entreprise est limitée, l'entreprise a bien moins de revenus. Quand il y a bien moins de revenus, il paye l'État moins de sommes. Alors que si tu as une sécurité, tu as payé l'État plus comme taxe, chiffre d'affaires, etc., etc. Donc la sécurité, c'est une source de revenus. Donc pour l'État, justement, et non seulement c'est une source de revenus, mais c'est une source de la vie, pratiquement, mes amis, je veux dire, en Haïti. Dernière année, on montre que la sécurité, c'est une source de la vie. Parce que nos problèmes de sécurité, ça vient là, etc., etc. On peut perdre sa vie, pratiquement. Donc, pour moi-même, il y a un ensemble de sources que l'État a mobilisé et un ensemble d'actions, justement, que l'État a posé, ensemble même, ah, j'ai bien dit. Par quelle subvention pétrolière
suppose mettre le son long période, parce que écoutez, il y a ce qu'on appelle la période de la soutenabilité. C'est pas soutenable pour l'État, j'aime le bon long période. Mais pour l'État, j'aime le tout, il faut que l'État crée conditions. C'est pas au même niveau que l'État, il faut que l'État crée conditions pour que le parquet de subventions pendant une longue période. Mais conditions, ça y est, il faut trouver justement dans toute la zone de la vraie. Yo genta épuisé et question gaz là en attendant que nous retourner sous lit, mais moi-même qui t'ai posé question ça. Et en avril 2008 et nous t'ai assisté à Santa Cabrera les dernières émeutes de la fin hein. Ça mon yo t'ai les grands gouclou wax na époque là. À l'époque inflation était 16.3% et t'ai gagné 2.5 millions monde qui t'ai fait face à Santa Cabrera insécurité alimentaire là. Nous sommes en 2022, je dis à la inflation avoisiné pratiquement les 30% et gain de côté au parler de 4.5 jusqu'à 5 millions moun qui est toujours en insécurité alimentaire, scène de pillage, déchoukaille, dépôt manger moun yo a cassé jodi a. Est-ce que effectivement ça fait partie de prévision que tu fait depuis avril 2022, notamment où tu dit ça par rapport avec tout paramètre économique, ou bien tout est-ce qu'il y a nécessité avec dernier ajustement gaz là pour ne craindre le pire? Oh, Johnny, c'est une excellente question. Écoutez, ouais, ça gagne là dans l'économie, hein. Je dis avant, dans un pays qui c'est une situation qui est, on dit, provoquée par décision gouvernementale. Mais pour moi-même, pas seul. C'est que gagner la situation de la vie du citoyen qui mettait dans la route. Autrement dit, écoutez, j'en ai toujours dit, c'était toujours clair que émeute de la faim dans le pays, ça, c'est quelque chose. C'est pas sinon, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Parce qu'on s'est bien expliqué, c'est pas uniquement, ouais, inflation, on regarde de manière générale, combien de pays autour d'avril 2008, elle dénonce situation d'émeute de la faim, évidemment. Émeute de la faim, avril 2008, avec un ensemble d'éléments, le contexte international, c'est pas même chose de dire, mais il y a également aujourd'hui le contexte international. Et d'ailleurs, la Banque mondiale fait plusieurs rapports au côté que il y a qui attention sur possibilité en émeute de la faim, mais t'es gagné, par exemple, le contexte local qui marqué par situation ça, ou qui aujourd'hui a aggravé. Il y avait également en 2008, ça il faut le dire, un contexte politique côté que t'es gagné des acteurs, notamment, et côté que t'es gagné des acteurs, on va besoin de nommer eux, qui justement t'es profité de situation, hein, pour que il ait été fait et un éclatement fait s'ouvrir et le plus vite possible. Je dis à un contexte politique difficile, possiblement, mais en tout cas le problème c'est que peut-être les acteurs n'ont pas pratiquement le même poids. Donc je dis à ces situations objectives là même qui a fait population hein, continuer piller. D'ailleurs hier le mois de pillage, moi dit que écoutez, ça pas peut-être là c'est quelque chose qui ne dit pas son nom, c'est peut-être le début. Souvenez d'une situation d'émeute de la fin côté que mon yo, c'est vrai, a manifesté contre la décision gouvernementale, mais yo dit, étant donné nous grand goût tout, en tout profiter, chercher bagaille pour manger parce qu'on est toujours grand goût. Parce qu'on va se parler d'inflation de manière générale, mais nous ensemble d'autres données, nous avons considéré. Soit aller par exemple la question de l'huile, moi, je vais donner l'huile là. Donc, l'huile comme estime, Johnny, inflation sous l'huile, c'est 91%. Ça nous dit par rapport à l'année dernière, prix l'huile augmenté de 91%, l'huile pour nous faire manger. Ça veut dire que ça vient là, bon situation objective de difficulté, de grand goût, de grand pas même Clorox, on se parlait de grand goût Clorox, des gens qui parlent de acide d'acide, par contre, si ça vient, non, qui à n'importe quel instant, capable, écoutez, mettez Mounio dans la rue, parce que tout ça rejoindre, écoutez, piller, tout ça rejoindre sur route. Donc là, pas oublier, nous parlons pour encourager la violence, il y a besoin d'Abdel, nous va venir pour faire apologie de violence, mais écoutez, on est là pour constater. Mais pour nous constater, mais l'État a là tout, pour que nous évitions ça. Et l'éviter ça au comment? C'est à travers ces prévisions. Prévisions, le comment la faire? À l'aide de données, mais à l'aide également de l'ensemble d'opinions, d'experts ou d'autres membres de la population ou de la société civile. Nous-mêmes, nous sommes de la société civile, c'est ce que nous faisons. Nous disons que c'est vrai, situation ça regrettable, mais c'est une situation justement qui est prévisible. Parce que, encore une fois, nous, je n'aime pas l'avoir déjà tout ça, c'est une question imminente. C'est pas une question de si, mais une question de quand. Parce que, écoutez, et moun qui gangou nan niveau ça, ou pas qu'à mande yo, pour yo, des moun qui a respecté tout l'autre, yo, soudio, etc., etc. On sait à émeute de la faim qui était gagné sous administration René Préval là, tu gagné un antécédent qui était bah ça et peut-être ces situations ça n'a vive jodi qui montrer que nous pour aller vers on émeute de la faim, mais qui ça ou penser qu'a fait jodi de manière concrète pour nous éviter river là.
Bon, écoutez, et lorsque situation besoin résoudre, ce sont sur les causes, ça déjà on a dit ça, ce sont sur les causes qu'il faut agir. C'est-à-dire, tout ça que mettez-nous là, c'est que Fabien Sina a considéré un élément important de la fin, qui c'est la vie chère, c'est-à-dire que nous n'avons rien comme nommé, du tout, il y a un élément important, pas seul élément. Et c'est justement combattre la vie chère. Combattre la vie chère, par exemple, comment? Par exemple, aux États-Unis, il y a un problème. Soudi, qui problème Biden gagne, Biden a deux problèmes. Problème gagne, c'est problème la vie chère. Hier, moi, étant de Karine Jean-Pierre, ancienne origine, porte-parole et Maison Blanche, toute question qu'il a posé, il dit pour appeler priorité président, c'est combattre la vie chère. C'est take-all inflation, c'est ça le dos. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive en Haïti? En Haïti, c'est que les problèmes de tous les jours du citoyen, pas problème pratiquement l'État, combattre l'inflation aujourd'hui. Quelles sont les sources d'inflation aujourd'hui en Haïti?